تتحدث عن أخلاقياتها ونقول إنما قررته نصوص القرآن والسنة وتضافرت على تأكيده في الوحيين هو شعيرة وحدة الأمة. Les attaques terroristes qui ont frappé l'Europe ont plus que jamais mis en lumière la crise que subit depuis longtemps le discours islamique diffusé au sein des mosquées sur notre continent. Le caractère vaste et général de ce discours religieux conduit à l'impossibilité de contrôler ce qui se dit dans l'enceinte des mosquées, violé par des personnes qui transmettent des idées d'exclusion, de haine et de racisme. Malheureusement, il n'existe pas ce qu'on appelle une méthodologie du discours religieux, fondée sur une expérience religieuse, intellectuelle et sociale concrète et légitimée par des objectifs précis et appropriés aux fidèles qui fréquentent la mosquée. En effet, ces derniers ne tiennent pas compte des études qui montrent la nécessité de s'adresser aux gens d'une manière compréhensible et adaptée. Ce manque de méthode et de pédagogie a conduit au rejet des discours religieux en raison de leur inadéquation avec les personnes auxquelles ils s'adressent, au point que la perception qu'ont les fidèles de la fonction d'imam est réduite à celle d'une personne qui donne un ensemble de serments, de leçons et de conférences, puis quitte l'assemblée. Si vous considérez que tous les enseignements de l'islam ont le même degré d'importance, alors là, vous allez sombrer dans une religiosité chaotique. Et vous allez créer l'instabilité intérieure et vous allez causer le désordre autour de vous. Le discours dans la mosquée et en Europe a besoin de réformes et de renouveau. Quelles sont les pistes que vous avez l'intention de privilégier ? Le discours religieux en Europe se trouve actuellement face à une absence totale de programmes clairs dans les mosquées. En effet, les programmes académiques dans les différents instituts, dans les mosquées et en dehors des mosquées, sont à la merci de l'imam, qui dispense sa propre opinion et sa propre compréhension de l'islam. Ce qui fait que les fidèles et les apprenants de ces institutions religieuses n'acquièrent pas le message authentique de l'islam, mais bien les convictions et les compréhensions de l'imam, tantôt conformes au message de l'islam, tantôt contraire à celui-ci, ce qui a engendré un enseignement rigide, vide de sens, d'objectif et d'esprit critique. En finalité, nous sommes devant une génération chamboulée, tant sur le plan religieux que sur le plan social. Dans la plupart des cas, des jeunes qui ont mal assimilé les vraies valeurs de l'islam avec un bagage religieux relativement faible, ce qui en fait une proie à l'intégrisme et encourageant ainsi le repli sur soi. Du fait que la méthodologie de l'imam est un effort personnel, individuel, selon ses compétences et son expérience sur le terrain, sans cadre académique ni pédagogique. Son seul objectif est de faire avaler à l'apprenant des textes et des textes sans la moindre connaissance de la situation actuelle dans laquelle il vit. Quelles sont vos préconisations ? Les pistes à privilégier doivent donc être un programme complet qui englobe tant les sciences religieuses que les sciences humaines et sciences sociales. Pour endiguer ce phénomène de radicalisation des jeunes citoyens musulmans, il faut commencer par instaurer un programme académique solide dans toutes les mosquées pour former des citoyens bénéfiques à leur personne et bénéfiques à la société et pour que le jeune musulman ne soit pas un élément de problème, mais bien une réponse aux défis sociétaux. Et pour en arriver à ce résultat, il faut des responsables dotés de toutes ces connaissances, car laisser les mosquées entre les mains des ignorants et les incompétents est encore plus négligeable
est catastrophique. C'est pour ces raisons qu'il est primordial de renouveler l'approche quant à la nature de l'offre académique et la formation des imams, et ainsi leur capacité de s'adapter aux nouvelles réalités. Quel concept vous donnez aux minorités musulmanes ? Les préconisations dans la fonction de l'imam en Europe sont d'une part une formation académique solide et la définition de son rôle afin de répondre avec transparence qu'est-ce qu'un imam en Europe. D'autre part, un statut légal clair, une hiérarchisation des compétences officielles qui pourront protéger l'intégrité morale et sociale de la fonction d'imam. Je souhaiterais également que la personne de l'imam soit un modèle pour les citoyens musulmans et d'autres obédiences de vivre ensemble entre les peuples et sociétés. Quelles sont vos attentes concernant le statut de l'imam en Europe ? Je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de revoir le terme de minorité musulmane et son gène. Car avec l'évolution terminologique des mots, dans le temps et dans son utilisation, me paraît que ce concept, tel utilisé de nos jours, tend à un enfermement et un repli sur soi. Ce qui inconsciemment engendrerait un manque de participation sociale dans la construction et l'évolution de notre société. Cet état d'esprit additionné à un complexe d'infériorité facilitera une vie en marge de la société, ce qui est contraire à l'essence même de l'islam. Il est du devoir du musulman d'aimer sa patrie, de contribuer à son édification, à son évolution, de s'y socialiser positivement, avec une spécificité musulmane dont l'acceptation de la différence de l'autre et le bon vivre ensemble dans ce qui s'appelle la citoyenneté. En l'absence de développement continu du système religieux, seule la méthode traditionnelle est prise en compte et les critères définissant le discours religieux et le concept des minorités musulmanes n'ont pas été actualisés. À la lumière de cette douloureuse réalité qui servit dans la communauté musulmane et surtout au niveau de la jeunesse, il est temps de penser à faire appel à des experts afin de déterminer les aspirations rhétoriques appropriées aux mosquées européennes et aux moyens efficaces pour développer cette méthodologie du discours religieux. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes citoyens musulmans ? Il faudrait mettre en pratique l'esprit civilisationnel de l'islam et contribuer à la construction et à la coexistence pacifique entre les gens, basée sur la compassion du rejet de toute forme d'intolérance et d'intégrisme. Aussi, il est primordial de saisir les informations religieuses des personnes de référence en la matière et d'éviter de se baser sur les sites internet. Une socialisation positive convergera à une identité musulmane rayonnante dans une citoyenneté authentique et dynamique. Il ne faut pas aussi oublier que la jeunesse est débordante d'énergie. Je leur conseille donc la pratique d'une activité sportive, car le sport permet de garder un équilibre entre le corps et l'âme. Bismillahirrahmanirrahim wa kadhalika awhayna ilayka.